بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين، وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 56 et dernier chapitre dans Shama'il Tirmidhi. Babu ma ja'a fi ru'yati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi al-manam. Chapitre ce qui fait venir concernant ru'ya veut dire vision de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sommeil. Ça veut dire qui un jimon le trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sommeil. Qui fait le médecin dernier chapitre, comme Banu Lama explique nous, c'est qui commencement, dans un chapitre avant, le fin fini décrit comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était physiquement, sur un trait comment il était. Donc, quand il dit mon, il y a livre là, il comprend Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son visage comme ça, son aîné comme ça, son lisier comme ça. Donc, il y a une description générale, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam ressemblait. Il est là quand éventuellement Dimonla il trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans rêve, il vous connaît, il est capable d'identifier, il est capable de connaître les mêmes ça. Alors là dans le titre Imam al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi il met ru'yatun al-ura waw avec un hamza la'u sakina ya avec ta marbouta sa titita là. Ça, ru'yatun, ru'ya veut dire trouver la vision en état d'éveil. Filia qava. Ru'ya, comment on peut trouver comme ça? Ça appelle ça ru'ya. Alors qu'il y a un autre mot, pareil comme ça, ru'ya, dans plasta, marbota, et na alif, ru'ya. Ça veut dire trouve dans rêve. Alors, une fois, ça va le mot là, je servis interchangeably. Ici, à cause de ça, qui, Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, il met ru'ya, ça veut dire vision, qui n'est pas nécessairement dans le rêve, mais seulement après, il mettait fil manam, dans sommeil. Alors, on peut trouver qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc, est capable de faire, un djimoun fait ziyarat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, du moins, sur ce qui ressemble, sur ressemblance, sur l'image, dans rêve, ou soit, yakavatan, en état d'éveil aussi, et dans certains, parmi les gens, surtout parmi les awliya, Allah subhanahu wa ta'ala. Fait, je trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il soit dans sommeil en état d'éveil. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il lève mon voile. Alors, il y a énormément qui font dire, il y a un ulama qui font écrire un livre, tout ça là, là. Alors, le sujet, qui manière capable de trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de philosophes qui ont des bouts là-dedans. Ben scientiste finit à jeter bout là-dedans. Beaucoup ben dimon finit à ben affaire là. Alors ben ulama nous ben ulama le sunna qui je dis qui la réalité de sa vision là c'est i'tiqada, c'est une croyance, c'est une quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala l'y crée, l'y met ça dans l'équerre sa dimon. Allah subhanahu wa ta'ala l'y envie gracier un dimon par vision de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il fait, il crée un i'tiqad, il crée une vision, il place ça dans l'équerre, ça dit mon là, ou soit dans l'esprit, ça dit mon là, ou soit dans l'isier, ça dit mon là. Parce que quand il dit mon, il peut dormir sur l'isier fermé. Donc, à nous dire, c'est avec sur l'équerre qu'il peut trouver. Comment il est capable de faire, lui, dans, en état d'éveil, dit mon là, il est en état d'éveil aussi. Donc, les montrer, lui. Alors, il est possible qu'il, Allah subhanahu wa ta'ala lui montre sa dimonna une vision, à nous dire une image de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, comment Ibn Ulama explique nous, un dimon persisé sur réflexion et là dans un miroir. Un dimon persisé, le bégain sur réflexion dans un miroir. Et là, un obstacle, mon papa trouve dimon là. C'est moi, mon papa trouve sur réflexion dans un miroir. Mon papa trouve dimon là en réalité, mon papa trouve juste sur réflexion dans un miroir. Donc, c'est une image qu'il m'avait trouvé. C'est une image qu'il m'avait trouvé de sa dimon-là, sans qu'il me trouve dimon-là en personne lui-même. Ça, c'est un exemple. Il n'est pas bien exactement comme ça, mais ça, c'est un exemple qui nous comprend
qui manière Allah subhanahu wa ta'ala donc il va créer une vision, une image et là nous nous trouvons. Et dans certains, Allah subhanahu wa ta'ala, comment nous dire, les faisait trouver le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam directement. Et là, dit, quand il parle devant Raouza, il peut trouver. Alors, il y a certains, alors, la mahlou sunnah, c'est un objectif. Il dit non. Bon, c'est que mon pédé, là, Jumhur veut dire la majorité. Et là, certains, je dis non, mais si vous pouvez dire, dit, là, quand il trouve Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il disait, sorti de son kabbal pour dit, là, trouver. Non, tout ça n'est pas nécessaire. Comment nous parlons, la moitié. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il voulait. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, il est capable de faire ce qu'il voulait. Pas nécessaire qu'un dimon aille dans Madina devant Raouda. Depuis Maurice, depuis n'importe qui place, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire, il trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même en état d'éveil. C'est tout simplement un amal voile qui Allah mettait, qui Allah enlevait. Qu'on est dans ça, quelque chose là, dans sa dimension là, c'est un mal considération, pas important, considération de l'espace par exemple, pas important, ben la loi physique, bien souvent pas appliquée là. Ben la loi, ben contrainte physique pas appliquée là. Allah subhanahu wa ta'ala a donné karamat. Donc, lui faire ce qu'il y a envie, trouve. Ou soit une image, ou soit directement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il est capable d'en sommeil, il est capable, yakawatan, en état d'éveil aussi. Et la plusieurs, là, si on ne pas trompé, sept hadiths dans ce chapitre-là. Ben le premier là, je te ressemblais. Donc, hadith 406, l'imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi. رقوتي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رقوت كيلو وفت صلى الله عليه وسلم جيه. من رآني في المنام فقد رآني. C'est lui qui finit trouve moi dans rêve, dans sommeil. Alors, très certainement, il finit trouve moi. C'est lui qui me trouve moi dans rêve, dans sommeil. Alors, très certainement, il finit trouve moi. Il finit trouve moi, haqqan. En vérité, c'est moi-même qui le finit trouver. Et là, l'autre riwayat. Et là, l'autre riwayat mentionné. Faka'annama ra'ani fil yaqadha. Comment va-t-on la main, explique-nous. Faka'annama ra'ani fil yaqadha. C'est lui qui finit trouve moi dans sommeil. Alors, comment dire, les films trouve-moi en réalité, ça veut dire en état d'éveil. Il paraît, comment dire, les films trouve-moi en état d'éveil. Et là, certains manoulama aussi m'ont mentionné que c'est lui qui finit trouve Rasoul dans le sommeil, alors il peut trouver lui en état d'éveil. Il continue, il disait, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي. Parce que Shaitan, l'IPA prend mon forme, l'IPA impersonate moi. Shaitan n'est pas capable de faire ça. Pour moi, quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, c'est prendre forme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour venir embêter du monde. Imaginez si tu peux faire ça. Combien du monde gagne embêté? Djinn prend forme. Beaucoup de les autres prend forme. Manaouli, par exemple, du monde là, j'ai eu je ne sais pas, l'indialité, telles affaires. L'indialité, telle grande personnalité, l'indialité, telles affaires. Et là, du monde, les mêmes. Converse avec d'autres, il y a un autre, avec d'autres, il y a un autre, l'autre. Tout ça là, Shaitan prend une forme. Il vient en bête, Panjimon. Nous lire, quand nous lire les histoires de Van Aulia, qui manière de trouver, qui manière Shaitan, il prend une forme, il vient en bête. Pas Man Saint Jimon, mais Man Jimon qui quand même, il arrive à un niveau haut, je tiens à embêter avec Shaitan. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lit Shaitan, pas qu'à prendre sa forme. Pas capable de venir embêter personne. Imaginez si ça c'est possible. C'est un grand faveur qui a l'air de faire l'eau, non? Qui, ça c'est une affaire qui n'est pas possible. Alors, comment va-t-on la main, Djanou? Allah subhanahu wa ta'ala fait protéger lui dans son vivant. Alors, même après son wafat, Allah subhanahu wa ta'ala continue de protéger lui, c'est pas capable de prendre sa forme. Là, il y a tamathaloubi, il veut dire adopter sa caractère là. Tamathala, il y a un mot qui nous servit, c'est « moumathil ». « Moumathil » veut dire « un acteur ». Qui est-ce un acteur? C'est un dimon qui lui prend caractère. Il a un caractère capable d'exister, soit non existant. Ce dimon-là, il sortit dans ce qui était normal, il a adopté caractère, ça le cas-là. Alors, Shaitan n'est pas capable de faire ça. Il n'est pas capable d'adopter caractère, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour faire un dimon croire qu'il est même ça, comme un acteur fait.
Alors, il y a beaucoup de riwayat parmi les arifin. Je mentionnais qu'ils ont fait trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil. Ça veut dire pas dans le sommeil. Donc, c'est un affaire qui, hakika, c'est une vérité, ça. Qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait, manjimun, trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le sommeil et en état d'éveil en même temps. Alors, c'est juste que Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève ma hijab, il enlève ma voile, il enlève ma petite chose, ma contrainte matérielle, physique, qui peut empêcher de nous trouver, Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire trouver. Alors, prochain hadith, 407, haddathana Muhammad ibn Bashar, wa Muhammad ibn al-Muthanna, qala, je dis, haddathana Muhammad ibn Ja'far, haddathana Shu'aba, an Abi Hussein, an Abi Salih, an Abi Hurayra, radiyallahu anhu, qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهة من رآني في المنام فقد رآني celui qui fait trouve moi dans sommeil certainement il fait trouve moi فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه لي alors même wording sauf qu'il a un des mots qui servit dans place يتمثل de trouver talala et tamassalou, ça veut dire une personne, faire pareil comme moi, ressembler. Là, yatasawwaru veut dire prend ce soura, soura avec un sad. Quand il y a avec sin, soura, ça veut dire une soura dans le Coran. Quand il y a avec un sad, soura veut dire une représentation, une image, une photo. Alors, là, yatasawwaru li, shaitan pas capable prend mon forme, mon ressemblance. C'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ressemblait quand nous guettons, alors Shaitan n'est pas capable de prendre sa forme là. Ou soit, la yatashabbahu bi, là, on trouve un autre verbe, tashabbaha. Tashabbaha veut dire aussi ressembler. Right? Tashbi veut dire ressemblance. Alors, ces trois verbes là, yatamathala, yatamathala, yatasawwar avec yatashabbaha, c'est un verbe qui se termine par ressembler, n'est pas pareil, exact, n'est pas identique, mais les proches, pas le meaning qui proche, donc nous comprenons qu'il, ni dans une façon, ni dans l'autre façon, qu'il y ait en termes de, il peut se mettre en termes de réponse au caractère, réponse au behavior, par exemple, ça n'est pas possible. Prend ce forme, prend ce, apparence, par exemple, et d'un coup, et d'un coup, on est capable de rêver, qui est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il cause en lui, il dit, il va nous affaire. Alors, Shaitan n'est pas capable de venir une cause en lui, faire croire qu'il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire vraiment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une cause en lui. Et la dimon, il trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sans qu'il y ait une cause en lui, il trouve lui. Là, il y a un tasweer. Donc, ça aussi, Shaitan n'est pas capable de faire. Donner une représentation. Donc, c'est que Rasul, c'est que sa dimon l'a fait trouver, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yatashabbahu, et l'individu lui trouve un être qui ressemblait à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de sur la tête, il pensait à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça aussi, Shaitan n'est pas beaucoup à faire. Même sur ressemblance, il n'est pas beaucoup capable de prendre. Donc, cet individu-là, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même, qui les fin trouver. Parce que là, l'individu, il a envie de faire lui croire qu'il fin trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'est pas une croix. Donc là, après ça, vous trouvez un avant-dimon, je pouvais dire oh, comme ça, mon rêve, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à moi telles affaires. Bon, premièrement, nous avons été, est-ce qu'il dit mon là, il est véridique lui-même, mais c'est parce qu'il peut la vérifier là, pourquoi qu'il vérifie, c'est pas vrai, il est rêvé, il n'est pas rêvé. Si dit mon là, il mentait, ça y a d'autres affaires. Ou soit dit mon là, il peut vivre dans mon awham, il peut vivre dans mon, un monde imaginaire, il crée sur mon affaire, lui-même dans sur la tête. Tout ça là, nous avons fait attention. Et dans le monde, j'étais là dans l'audience imaginaire, j'étais là dans quelque chose imaginaire, j'étais là dans la tête. Alors, il a servi ça pour embêter les autres, tout ça là. Donc, j'ai dit bien, c'est une petite chose de sincérité. Alors, ça n'est pas supposé d'une charia. Dans le monde, c'est qu'il est trouvé dans le rêve, il n'est pas supposé d'une charia. Il n'est pas ouvré, hein, parce qu'il, comme on a trouvé dans le hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit que c'était un 40e de Nubuwwah. Rêve, c'est un 40e de Nubuwwah. Mais seulement, nous avons sous Sharia, qu'il y a un rêve là-dedans. Il y a un Coran, il y a l'Aql al-Salim, il y a un Coran, il y a un Sunna, il y a un Ijma, il y a un Qiyas, il y a plusieurs des autres encore. Il y a même une coutume à l'Orf, mais rêve pas là-dedans. Alors, nous devons faire attention. Un rêve, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
les gens ont fait ça. Vous êtes un faux. C'est un autre qui a gagné là. Vous faites ce que les gens ont. Ce n'est pas capable d'imposer ça à les gens. Alors, et là, vous trouvez un machin, je trouve des affaires dans le rêve. Alors, je t'ai une porte à ça avec je t'ai mourir, il n'a envie de suivre comme ça, pour pas la tête. Mais, il ne faudrait pas imposer ça à l'homme. Ça, c'est un cadeau ou une gagne. Alors, il n'y a pas de conseil, les autres dimons. Donc, nous continuons le prochain hadith qui ressemblait, hadith 408. حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا خلف ابن خليفة وشو خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال donc أبو مالك الأشجعي rapporte de son papa qui s'appelle Tariq ibn Ashyam. Alors il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم qui رسول الله صلى الله عليه وسلم fin dire من رآني في المنام فقد رآني. C'est lui qui finit trouve-moi dans le rêve. Alors certainement, les films trouve-moi. Comme on l'a trouvé dans mon autre texte avant. Quand Abu Aïssa, Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, il n'est pas notre aspect. Là, vous trouvez le courant. Le courant dans Mustalah al-Hadith, dans Riwayat al-Hadith. Donc, il dit, « Wa Abu Malik, hadha huwa Sa'ad ibn Tariq ibn Ashyam. » Abu Malik, là, c'est Sa'ad ibn Tariq ibn Ashyam. Donc, c'est lui qui peut... rapporté, c'est son papa, Tariq ibn Ashyam. Et Tariq ibn Ashyam, huwa min ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Tariq ibn Ashyam, qui s'en a ça, c'est un des bons sahaba de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait? Il dit ça parce qu'il est trouvé là, il a un nom, il peut rapporter de son papa, qui lui dit qu'il est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le deuxième, place hadith là. Qu'est-ce que ça? Est-ce qu'il y a un mursal? Est-ce qu'il y a un maqouf? Est-ce qu'il les marfou, veut dire, il remonte jusqu'à la Sourah al-Salam, ou soit il arrête le sahabi, le tabé. Donc, là, il spécifie qu'il s'est dit, mon là, c'est qu'il disait son papa là. Il disait, mon papa, il raconte depuis mon papa. Donc, mon papa qui s'en là, ça, c'est un sahabi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa qad rawa an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un hadith, et il raconte plusieurs hadiths depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela pour nous donner l'idée, nous, ilm al-hadith, rapport hadith, qui quantité précis il était, et qui quantité nous ban ulama, comment dire, je n'ai pas fait une petite nanie, je t'ai une gode sa précision là, parce que ça même nous dit ça. Nous dit, les unes à travers dans notre sanat, et ça dans notre sanat là, l'est important. Les continuer, les dire, qu'à Abu Isa, Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, dire, wa sami'tu Ali ibn Hujr, yakoul mufintan Ali ibn Hujr, dire, qu'à Khalaf ibn Khalifa, qui, Khalaf ibn Khalifa, fin de dire, un qui dans la chaîne de transmission, Ra'aytu Amr ibn Hurayf, sahib al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ana ghulamun sagir. Ou fin trouve, Amr ibn Hurayf, radiyallahu anhu, qui est un sahabi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il me tient un petit garçon. Donc, ça dit, mon là, il finit vin un tabi'i. Tabi'i veut dire, un qui trouve un sahabi. Et sahabi, il trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Définitivement, quand Zimoun l'a gagné d'Arja al-Tabi'i, alors ce grade montait beaucoup. Donc là, c'est Imam al-Tirmidhi qui fait les médecins qui parlent à Rafla pour montrer, pour établir le fait que ça n'a raté là, les haines parmi les Tabi'i. Donc là, la considération pour Hadith la même sans être, bien sûr, dans les yeux de Van Hadithim. Inch'Allah, donc là, on voit beaucoup dans les Hadiths. Concernant Ru'ya de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous continuons après, donc nous faisons dua que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre bien, fait nous rapprocher avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui donne-nous, lui gracie nous avec, nous ne sommes pas capables de demander ou soit commander qu'il nous trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, que le Cheikh Ndjimoun Ndjiman, Cheikh, qui m'a besoin de faire pour me trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Cheikh, j'ai dit, mais quand les rois envient visite ou qui est capable de dire lui, m'envie les rois visite moi, qui m'a besoin de faire, non, vous pas capable de dire les rois, vous pas capable de donner les rois l'autre. Donc, vous besoin juste espérer, attendre. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam envie visiter, lui pour visiter, quand Allah envie gracier un dimoun pour ça, il a envie gratifier un dimoun pour ça, il a envie faire taram ou un dimoun à travers ça, là, lui pour faire. Donc, et la fois, dans un dimoun, je ne sais pas, considération, façon qu'ils aient abordé la chose,
vous trouvez Béhabi, comment dire, il peut donner l'aune, il peut dire à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il n'est pas supposé comme ça, il est supposé avec, bien sûr, avec une humilité, donc avec humilité. Nous dit man Allah subhanahu wa ta'ala qu'il partit de nous de ça. Comment il y en a beaucoup, ban ulama, ban masharif, je trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam souvent, il y a une riwayat, depuis longtemps, un dimon, il y a ce chef, l'Ijali, chef, mon maman malade. C'est vraiment une vieille dimon. Mon maman malade depuis 3 jours, il n'est pas bien, il n'est pas payé manger, il n'est pas payé causer. Alors, chef, il a dit, il y a un docteur, il y a non, ou même j'ai dit. Alors, chef, il a dit, il a causé avec vieille dimon là, qui n'arrivait qu'à là, qui arrivait. Donc, là, il a dit, vous connaissez, depuis 3 jours, mon papa trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui est arrivé, sa madame là, tous les jours, il habitait, trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans son rêve. Depuis 3 jours, il va me trouver. Donc, sa père a mis malade. À cause de ça, quand son là, il n'a pas appelé chef, il n'a pas appelé docteur. Donc, il y a un dimon comme ça. Il y a, c'est un awliya, c'est Allah subhanahu wa ta'ala faisait une faveur spéciale. Alors, nous disons, donc, que Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous un digne de sa faveur là, qui lui fait nous trouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sommeil, yakhazatan, dans, en état d'éveil, et surtout, yawm al-qiyama. Une place que si on nous trouve lui, c'est dans le Kabar. Alors, quand nous trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le Kabar, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous, dire ce qui vient dire ça là. Bien sûr, les bouvines, l'eau, qui nous habitait dire, parce que quand vous montrez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le Kabar, vous dire ça, dit qui t'habitait dire l'eau. Alors, ce qui nous habitait dire l'eau, c'est un nous dire ça là. Donc, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous, gagne son battre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans l'unia, et surtout dans l'akhirat, nous lever ensemble avec lui, nous rester ensemble avec lui. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.